Bonjour Aujourd'hui je vous emmène vers ce qui est probablement le plus ancien psaume de la Bible, le psaume 90. Dans cette prière de Moïse, on connaît généralement bien le verset 4 qui dit que pour Dieu, mille ans sont comme un jour. Et de fait, ce verset est régulièrement cité pour indiquer que notre temps n'est pas celui de Dieu. Toutefois, ce n'est pas le message premier de ce psaume. Le thème principal, la première partie du psaume, se perçoit assez clairement au verset 12, verset que je vous propose de retenir pour notre réflexion de ce jour. Dans sa prière, Moïse dit à Dieu, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Être sage, quelle belle bénédiction à recevoir de Dieu. Quand on est jeune, il est difficile de comprendre que nos jours sont comptés. On place beaucoup d'espoir dans les âges encore à vivre. On ne voit pas trop la fin de cette vie, un peu comme si l'être humain était éternel. Or, tant qu'on ne perçoit pas la fin de notre vie terrestre, on ne se donne pas suffisamment l'occasion d'une réflexion sage sur le sens de la vie et sur l'au-delà. On remet à plus tard ces questions et on poursuit sa vie sans tenir compte de ce qui vient après. Bien entendu, on parle avec une certaine tendresse euh, ou avec une certaine condescendance de l'insouciance de la jeunesse, comme s'il sera toujours temps de penser aux choses sérieuses plus tard. Et je suis persuadé que Moïse ne veut pas briser les rêves et le dynamisme débordant de la jeunesse. Cette vigueur est un don très précieux pour tous. Néanmoins, il prie afin que tous aient une plus grande sagesse dès maintenant, que l'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs de sorte à non seulement réfléchir à notre positionnement à l'égard de Dieu, mais aussi à employer au mieux le précieux temps qui nous est donné. Il me semble que prendre conscience de la brièveté du temps de la vie humaine apporte plusieurs avantages utiles à énumérer. Premièrement, cela nous aide à remettre Dieu, de qui vient toute vie, au centre de nos préoccupations. Parce qu'il nous aime et parce qu'au final il veut nous offrir ce qu'il y a de meilleur, il se montre d'une extrême patience avec nous. Mais inexorablement vient le temps où nous devrons aussi répondre de notre choix à son égard, car c'est aussi un Dieu de justice. Par son Fils Jésus-Christ, il veut nous donner sa paix sans tarder. Il nous revient toutefois de ne pas la rejeter et accepter qu'il est vraiment notre Seigneur et Sauveur. Dieu désire une réconciliation avec chaque être humain. Nous avons tout à gagner à goûter dès à présent à ce pardon et cette paix qu'il nous offre. Deuxièmement, prendre conscience que la vie passe rapidement, c'est aussi apprendre à considérer chaque jour comme un cadeau que Dieu nous donne. Chaque jour nous permet de contempler l'œuvre incroyable de l'Éternel. Chaque jour de vie est un miracle qui nous est offert. Avec Dieu, chaque jour vaut la peine d'être vécu. Troisièmement, il est vrai aussi que notre vie est confrontée à des épreuves plus ou moins longues. Savoir que nos jours sont comptés permet alors de ne pas sombrer dans le désespoir. Les jours des épreuves sont eux aussi comptés. De plus, le temps d'entrer dans la merveilleuse plénitude de notre Père vient assurément. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au point de perdre toute espérance. Quatrièmement, considérer le temps assez bref de notre vie nous donne la sagesse de mieux utiliser le temps à notre disposition, ce don merveilleux que Dieu nous accorde. Il est pertinent de régulièrement faire le point sur nos activités, nos occupations, nos loisirs, nos temps perdus. Ai-je un bon équilibre entre le temps consacré à mes besoins légitimes et le temps qui donne sens à ma vie avec Dieu De quelle manière est-ce que j'honore Dieu avec le temps dont je dispose Voilà des questions qui nous aident à faire un peu le point. Et finalement, la brièveté de notre temps de vie doit nous pousser à ne pas remettre à plus tard les possibilités de réconciliation et les possibilités de bien agir entre nous. Quand des occasions se présentent, il faut avoir le réflexe de les saisir. Combien de fois n'entendons-nous pas, lors de funérailles, j'aurais aimé lui dire ceci ou cela La sagesse nous préserve des regrets liés au manque de temps. Pour conclure, rappelons que le temps que Dieu nous accorde est un beau cadeau, mais recevoir aussi la sagesse nous permettra de vivre ce temps d'une façon plus heureuse et épanouie. C'est pourquoi que la prière de Moïse devienne aussi la nôtre. Fais-moi comprendre que mes jours sont comptés, Seigneur, et j'aurai un cœur sage. Merci pour votre écoute et à bientôt